Spécialisé de la musique baroque car je dirige l'ensemble baroque de Monaco depuis maintenant 5 ans, mais également dans le grand répertoire avec mon orchestre Passion Classique que voilà, que je dirige depuis maintenant une dizaine d'années, avec lequel nous abordons tous les répertoires. Il incarne vraiment une jeunesse parce que pour avoir moi-même été au conservatoire de Nice, j'ai entretenu d'importantes relations avec tous les élèves et les professeurs depuis maintenant quasiment 20 ans. Donc je suis régulièrement les progrès des jeunes. Déjà à titre personnel, ça fait plusieurs années que je suis engagé dans de nombreuses associations caritatives. Donc pour moi, c'est dans la simple continuité de mon engagement auprès des personnes défavorisées ou dans le besoin. Donc quand Claude Martinot m'a proposé le projet, j'ai vraiment accepté de grand cœur. Et en plus, ça donne l'opportunité à nos artistes de jouer dans ce très beau château Sainte-Roseline. Un programme très agréable avec beaucoup de tubes, mais que les gens reconnaîtront en partant du Barbier de Rossini jusqu'au Brindisi de Traviata. Ce sont des airs que tout le monde connaît, que nous avons beaucoup travaillé avec des chanteurs extraordinaires. Donc ce sera vraiment un condensé d'essence de musique classique, d'opéra lyrique en 45 minutes ce soir. Je m'appelle Gilles San Juan, je suis ténor et je suis l'un des artistes solistes, chanteurs lyriques qui vont se produire pour ce magnifique gala au Château Sainte-Roseline ce soir, donc dans le Var, pour Les Éléonores de Provence, La croisière des Guerrières, Jeune fille anorexique et La voix de l'enfant. Voilà. Alors, ce soir, je chanterai strictement du lyrique, je chanterai un air baroque classique et un duo de Traviata. Mais c'est vrai que mon parcours musical est double, puisque parallèlement à ma carrière d'opéra et de chanteur lyrique, de ténor, je suis également un chanteur de tango argentin et des musiques un petit peu plus modernes, puisque je suis en ce moment dans l'aventure de The Voice, saison 8, et que j'ai passé les auditions à l'aveugle dernièrement, et que je suis dans l'équipe de Julien Clerc. Donc de l'opéra à la pop musique, il n'y a qu'un pas. C'est du tango pour moi, tango moderne. Je suis Richard Rittelmann, je suis baryton lyrique et j'habite dans la région de Provence, Côte d'Azur. C'est une chance de pouvoir jouer comme je le fais souvent entre Monte-Carlo, Nice, Marseille, Toulon et aujourd'hui même pour la croisière des Guerrières ici au Château Sainte-Roseline dans le Var. Je pense que c'est l'essence même d'un artiste, c'est d'être généreux non seulement avec son art mais aussi pour la collectivité, pour apporter un message de soutien, de paix, un message aussi de solidarité pour des associations caritatives de ce genre. Figaro, 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 Figaro. Je m'appelle Norah Amsellem et je suis la soprano du concert. Je suis d'abord très honorée et très heureuse d'en faire partie et je trouve ça très important de soutenir des causes telles que celle-ci, surtout que je trouve l'idée formidable vraiment d'amener ces filles qui s'en sont sorties ou qui sont en phase de s'en sortir dans ces croisières et je trouve ça un beau but pour elles et une belle récompense quelque part et je trouve que ça peut être une idée très stimulante pour arrive à reprendre goût à la vie.